Bien, pour ce premier épisode, donc, nous allons nous mettre en position comme nous l'avons vu en Singhi Bagua. Et ici, nous allons, de cette posture, produire un tiré haut. Là aussi, prendre l'énergie. Pousser dans la jambe arrière pour vous rapprocher du pied gauche joint. Et là, nous avons le poing droit qui va sortir dans une frappe directe, une frappe bois, avec la main gauche qui va venir ici contre la région de la rate ici. Poing fermé, paume vers soi. On a ça dans les arts martiaux japonais, karaté, ici on est plutôt ici. Voilà. Donc, premier temps, pousser dans la jambe avant pour tracter. Appuyez dans la jambe arrière pour renvoyer le chi ici. Voilà. Ok. Cette position. 1. Inspire. Respiration inversée. Et je fais sortir le poing droit. À partir de là, je m'assois dans ma jambe droite. Pour pousser le pied gauche en arrière, bien stable. Je vais pouvoir dérouler dedans, tirer, pousser dans la jambe avant, okay, comme ceci. 1, 2, et à partir de là, j'ai de nouveau un point bois qui va sortir, mais dans cette position sur l'arrière. Juste avant, nous étions dans cette position, pied joint. Je m'ancre, je pousse, je recule. Vous voyez la notion d'absorption, très nette, hein, situation de combat. Absorbez, prenez l'énergie et la restituez. Voilà. Ok. Ici, autant nous avons une défense et une contre-attaque, la défense ici est moins nette, mais elle est là, vous voyez. Un point marteau en reculant. Imaginez une attaque directe à l'abdomen ici, on comprend bien ce point qui descend en reculant et qui frappe, hein, qui frappe en marteau. Hein. Voilà, hein, qui frappe et celui-là qui sort derrière pour contre-attaquer. Donc, de face. Ok. À partir de là, nous allons rentrer dans une frappe métal. Ici. La main gauche va comme se libérer ou surtout va venir aller intercepter ici avec la tranche. Je suis là, mouvement de spirale dans l'épaule et je viens intercepter avec la tranche. Elle va ensuite, ça veut dire qu'elle intercepte à la gorge, par exemple, sur l'adversaire qui viendrait sur vous. Hein. Capacité à le stopper ici à la gorge, et ensuite, hein, pour le freiner momentanément, et ensuite à venir ici abaisser devant l'abdomen, comme pour bloquer une attaque qui viendrait au bas-ventre. Avec la paume, tranche paume. Et de là, regardez ce point qui remonte, hein, en forme d'uppercut, hein, ici, pour attaquer au menton éventuellement. Donc, vu sous cet angle, nous sommes ici, nous allons avoir ceci. Voyez, comme un peu en tai chi, quand on flatte l'encolure, la capacité à stopper, à frapper en bas et à rentrer par-dessus. Voilà. Ici, 1, 2. Encore une fois. 1, 2. Ok. Donc, vu sous cet angle, 1, 2. Voilà. Juste cet angle. Voilà. Ok. Donc ça nous donne 1. Et
2, 3. Voilà. À partir de là, nous allons produire ici comme un dégagement, une clé, avec un premier mouvement ici qui fait lâcher une saisie et un deuxième mouvement ici qui va frapper en retombe. Ok ? Donc d'ici, une grande roue, un mouvement plutôt de séparation tertielle, comme on le fait en Qigong, rate, estomac, pancréas. Poumon ici, poumon, cœur, rate, estomac, pancréas, séparé. Et là, le feu, du cœur, l'explosion. Ok. Donc, dans cette position, regardez bien, je reviens sur l'arrière, j'ouvre, je sépare, et là, on fait trembler la terre. Voilà. Ok. Un, de profil. Deux, ramasser l'énergie. Concentré. D'accord? C'est du feu. Ok? Métal, feu. Et enfin, ici, nous allons armer à la hanche gauche pour déplacer le pied droit vers l'avant en restant sur l'arrière et rentrer cette technique, voilà, qui est de nouveau du feu. On voit bien ici l'entrée de la défense, ou qui peut être aussi une attaque, et derrière, la contre-attaque. Haut, ça monte, c'est du feu, ça monte vers le ciel et ça va très fort vers l'avant. Donc ici, 1, 2, armée à gauche, vous pouvez ouvrir votre pied gauche légèrement, rentrez bien dedans, et voilà, poussez. Ok, ici, 1, armée à gauche, voilà, rentrez. De face, armée à gauche, voilà, rentrez. Voilà. Donc, si nous reprenons au départ, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6.